Honorables invités, plus qu'une manifestation de colère et d'amitié, nous voudrions déceler dans votre présence l'exhortation à persévérer dans notre audacieuse entreprise de transformation sociale profonde. Soyez-en remerciés. Soyez également rassurés, car nous ferons en sorte que, d'ici quelques années, vous puissiez dire avec fierté, moi aussi j'y étais. Chers congressistes, nos défis sont donc très grands. Nous avons osé dire publiquement que notre système partisan est malade. Nous en avons dénoncé les insuffisances et les tares. Et pendant des années, nous n'avons fait que déplorer la situation sans rien entreprendre. Mais à présent, nous avons décidé de passer à l'action, d'agir, de prendre nos responsabilités et de ne plus écouter les éternels sceptiques immobiles sur les trottoirs. En cela, nous avons raison. Bientôt, ils vont nous féliciter et nous acclamer. Soyez donc les bienvenus, chers camarades, acteurs du devenir de notre patrie. Comme moi, vous avez conscience qu'aussi importantes que soient les réalisations physiques, les ponts, les échangeurs, les routes asphaltées, aussi élevés que soient les taux de croissance et d'autres performances économiques, nul ne peut garantir la survie de ces réalisations si les forces sociales ne s'accordent sur comment vivre ensemble. Que de ponts détruits, que d'écoles bombardées, que de belles et coquettes villes rasées, que de routes asphaltées rendues impraticables par les bombes ou par de fréquentes attaques armées. C'est parce que nous ne voulons rien de tout cela que nous avons décidé, chers amis congressistes, de sacrifier nos égaux pour que vive le peuple béninois. En cela, nous ne sommes pas des héros. Nous prenons la suite de toutes celles et ceux qui ont préservé la paix dont nous jouissons aujourd'hui dans notre pays. À chaque période de tension extrême, alors que le pire paraissait inévitable, ils ont su trouver chaque fois les compromis qui restaurent la fraternité sans passer par la barbarie fratricide. Ils sont nos véritables héros, ceux-là. Mais ils étaient déjà présents dans la lutte contre le colonialisme. Voulant conquérir la liberté et l'égalité, en éliminant les injustices et les violences coloniales, nos aînés s'étaient dotés d'une arme redoutable à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient fondé, en avril 1946, le premier parti politique jamais créé dans notre pays. Ils l'ont appelé Union progressiste du Dahomey. Augustin Azango, qui en était le dirigeant, fort de sa connaissance du système politique français, a su orienter les actions vers les cibles qui ont desserré les étaux qui pesaient sur les populations. Mais malheureusement, le virus de la division
et les conflits d'ambition ont tout fait de bloquer l'exploitation de ce merveilleux logiciel dont on ne pouvait attendre que d'excellentes performances. Toutes nos tentatives de le relancer depuis 1960 n'ont connu que peu de succès. C'est dire l'immensité de l'effort à fournir si nous voulons nous ouvrir de nouvelles perspectives. Nous voulons transformer notre société, la société béninoise. Nous savons qu'elle est le fruit de l'histoire. Bien entendu, nos aïeux avaient leur manière de vivre individuellement et en communauté. Mais ces règles endogènes ont été bousculées et parfois combattues avec violence par le colonisateur au profit d'autres organisations sociales destinées à piller nos ressources. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à participer à une mondialisation qui ne marche pas pour les peuples, qui ne marche pas pour l'environnement et qui ne marche pas pour la stabilité de l'économie mondiale. Ce survol historique montre la complexité de notre tâche. Il nous rappelle que la société béninoise, comme celle des autres pays africains, est une construction originale, car aucun peuple n'a subi les mêmes agressions dans l'histoire de l'humanité. Je sais que pour beaucoup de nos compatriotes, notamment les jeunes, ces rappels relèvent de la préhistoire et n'ont plus rien à voir dans la situation d'aujourd'hui. Mais en réalité, est-ce que nous savons pourquoi tel parent déconseille à son fils de ne pas épouser une fille de telle autre région? Est-ce que nous savons, est-ce que lui-même sait pourquoi? Est-ce que nous savons pourquoi les membres de telle ethnie sont à tort réputés sournois ou agressifs? Est-il possible que tous les membres d'une communauté soient des malhonnêtes et peu dignes de confiance? Savons-nous pourquoi certaines populations ont préféré s'installer derrière les collines et que d'autres se sont installés sur les lagunes? Les explications se trouvent sûrement dans notre histoire. Il nous faut toujours interroger cette histoire pour éclairer notre avenir. Mais pour réussir notre palpitante entreprise, nous devons tenir grand compte des expériences des autres peuples sans vouloir les copier. Il nous faut inventer, innover. Les seules justifications de nos actes ne doivent pas être la référence à l'Europe, à l'Amérique, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, etc. Quand bien même nous devons écouter nos amis, il nous revient de ne jamais oublier l'originalité de notre parcours et ce que nous sommes. Mais, chers amis, nous sommes qui, nous? Comme l'ensemble de notre société, nous-mêmes, nous sommes également le produit d'une histoire que nous refusons d'assumer. Sossa Gedengue, alors président des chefs des religions endogènes, lors de la visite du pape Jean-Paul II dans notre pays, a assuré l'illustre visiteur de l'impossibilité d'une guerre de religion au Bénin. Il lui a dit, vos fidèles de jour sont nos fidèles de nuit. Ce sont les mêmes. Ils ne peuvent pas se combattre eux-mêmes. Ballottés dans la culture occidentale dominante et les vestiges de nos pratiques ancestrales, l'élite se réfugie souvent dans une imitation grotesque et ridicule. Elle s'y retrouve inconfortable et torturée. Mais le parcours de ceux qui ont réussi nous enseigne
que nous ne pouvons arriver à rien faire sans revenir à nous-mêmes, tout en nous appropriant des valeurs universelles avec discernement. Ne pas les avaler sans les mâcher. Tant que notre conscience sera embuée par l'indécision, l'ambiguïté, le mimétisme et autres renoncements, il nous sera difficile d'avoir notre propre lecture des principes universels. Chers amis, vous savez que depuis des décennies, nous répétons qu'il nous faut changer de mentalité. Les prières dans les lieux de culte peuvent y contribuer. Elles ne suffiront jamais. Surtout si nous considérons que nous en faisons des séances de récitation. N'attendons pas le jour où nous serons complètement différents de ce que nous étions la veille. Ce jour n'arrivera jamais. C'est donc pour construire patiemment, sûrement, ce changement de mentalité unanimement souhaité que nous avons retenu dans notre projet de société et dans nos statuts les principes devant orienter notre action. Nous, membres de l'Union progressiste, nous nous engageons à élever notre propre conscience citoyenne et patriotique par la formation et par l'exemple. Nous nous engageons à promouvoir la convivialité par des travaux en équipe, à assurer une gouvernance éthique fondée sur le respect des valeurs afin de rétablir la confiance aussi bien entre le citoyen et l'État qu'entre les différentes nationalités. À donner un contenu concret à l'égalité des chances d'ascension sociale par la promotion des plus méritants des membres de notre parti, en particulier les jeunes et les femmes. Et nous nous engageons à prendre des décisions dénuées de toute subjectivité. Voilà ce que le peuple attend de nous pour croire à la rupture et se persuader que cette fois-ci, ça va vraiment changer. Nous pouvons comprendre les hésitations des sceptiques. Nous entendons et acceptons les critiques des adversaires, mais nous ne nous rallierons jamais à l'immobilisme. Parce que nous voulons bâtir une société nouvelle par le dialogue et la persuasion, rien ne pourra nous arrêter sur le chemin des réformes. Nous voulons nous réformer nous-mêmes d'abord, membres de l'Union progressiste, par l'apprentissage de nouveaux comportements. Ce sera notre principal atout pour attirer d'autres militants. Nous voulons apprendre à servir, à remonter ceux qui sont en difficulté, à partager l'effort et les récompenses, à ouvrir de réelles perspectives à notre jeunesse. Nous voulons combattre la corruption, l'injustice sociale, les brimades, le gaspillage de l'argent public, les braquages et autres formes d'insécurité. Mais d'expérience, le peuple a entendu chaque responsable politique égrené de telles bonnes intentions. L'histoire contemporaine de notre pays regorge de ressentiments contre les promesses non tenues. Déçus, beaucoup se mettent à magnifier le passé. Ici au Bénin, où seules les oraisons funèbres célèbrent les qualités des citoyens, il n'est guère surprenant que seuls ceux qui ne peuvent plus agir, c'est-à-dire les morts politiques, sont vénérés avec dévotion. C'est pour rompre ce cycle que nous nous sommes interrogés sur ces causes profondes. Il est évident que la cause principale est la faiblesse,
voire l'absence de force politique capable de porter les aspirations de ceux qui sont ou se sentent délaissés, capable d'agir dans la durée de façon cohérente et de prendre les mesures qu'appelle le progrès social. Jusqu'à présent, seuls des groupuscules politiques s'activent dans l'espace politique à la recherche de leur propre alimentation de survie. Leurs animateurs regardent attentivement l'horizon dans le but de déceler celui qui a des chances de prendre le pouvoir afin de s'abriter sous son ombre et ramasser les fruits réservés aux courtisans. Dans ce schéma, il est peu probable que fleurisse la bonne gouvernance et que la corruption s'essouffle. La réforme du système partisan apparaît dès lors comme le remède incontournable pour jeter les bases d'une gestion éthique favorable aux intérêts de la majorité de la population. Bon nombre de responsables politiques le savent, mais beaucoup se sont abstenus de l'engager pour ne pas se retrouver devant de véritables partenaires qui les obligent à rendre compte. C'est donc le lieu de saluer le courage du président Talon, qui non seulement a pris des engagements lors de la campagne électorale à ce sujet, mais les a respectés avec détermination. Promouvoir soi-même des instruments de contrôle de son action relève d'un patriotisme qui va au-delà des ambitions personnelles. C'est du reste la raison principale de notre soutien au programme d'action du gouvernement, parce qu'il s'accompagne des moyens de la pérennité de ses réalisations. Avec de grandes formations, notre pays entrera dans l'ère d'une vraie stabilité, celle qui rassure et attire les investissements nationaux et étrangers. Lorsque les compétiteurs électoraux et les animateurs de la vie publique sont connus, les risques sont moindres. Lorsque les travailleurs sont organisés en interlocuteurs crédibles, que les ordres professionnels répondent de leurs membres dans l'espace du secteur privé, la stabilité est au rendez-vous. Le gouvernement, la gouvernance partagée devient alors une réalité et les abus sont combattus et éliminés. Au Ghana, les deux premiers à toutes les élections électorales ont plus de 90% des voix. Au Bénin, le premier en a que 23. Cet émiettement est l'une des causes des difficultés que nous avons. Aussi, voudrions-nous indiquer clairement à la jeunesse que le combat en cours est son combat, celui qui instaure un bon climat des affaires et qui favorise la création d'entreprises. Donc, c'est le combat, ce combat-là qui crée des emplois. C'est celui qui relance les activités économiques parce que les clients étrangers reviennent sans inquiétude animer nos marchés, notamment dans le quoi. Quel parti alors voulons-nous construire, nous autres? Notre parti regorge d'énormes possibilités, d'énormes potentialités. Notre pays regorge lui-même d'énormes possibilités, d'énormes potentialités. Ces femmes sont reconnues pour leur ardeur au travail. Et il suffit de parcourir notre pays pour s'en rendre compte. Le chômage massif de ces jeunes le prive de talent, prive notre pays de talent dont il a besoin. L'Union progressiste veut offrir à tous
des possibilités pour s'en sortir. Aujourd'hui, soutien responsable du programme d'action du gouvernement, l'Union se prépare à prendre demain le pouvoir et à l'exercer pleinement au bénéfice de tous. Il y parviendra parce qu'il compte dans ses rangs des cadres qui ont prouvé leur dévouement et leur abnégation par le passé, et surtout qui ont prouvé leur dévouement pendant la préparation de ce congrès. Il y parviendra parce qu'il bénéficie déjà de la confiance d'une grande majorité, de la grande majorité de nos populations qui, en la circonstance, ont manifesté à notre égard des gestes de générosité particulièrement surprenants et émouvants. Que reste-t-il à faire, chers congressistes? Il nous revient la responsabilité de mettre en pratique tout ce que nous avons convenu et que nous avons affirmé dans notre projet de société et dans nos statuts. Aimer notre peuple et le servir. Promouvoir une gouvernance éthique assise sur des valeurs humaines. Aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. Œuvrer sans relâche pour le progrès économique et social. Privilégier le producteur dans la répartition des revenus. Vivre et défendre la démocratie et l'état de droit, participer à la renaissance de l'Afrique au profit de ses filles et de ses fils, participer à la coopération internationale. L'Union progressiste offre à ses membres de réelles possibilités de valorisation pour mieux contribuer au progrès de tous. La Ligue des Jeux progressistes. La Ligue des femmes progressistes, la Ligue des enseignants progressistes, l'Association des élus progressistes sont autant de cadres d'échange et autant d'écoles pour le développement personnel et collectif de nos membres. Ils auront à prendre demain, après-demain, la responsabilité du parti. Les modalités de choix des dirigeants de notre parti confirment notre engagement à prouver nos convictions démocratiques par l'exemple. La haute direction du parti sera élue par tous les militants opérant dans nos structures de base. Les mandats des instances seront limités à 3 afin de donner à chacun la possibilité de contribuer à la réalisation de nos objectifs. Et au-delà de notre parti, j'ai bloqué sur ma table, c'est le portable qui est là-bas. Ceci là, sans risque, j'ai bloqué. J'ai mis ça sur mon mot d'avion. Pour la limitation de tous les mandats électifs, que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les collectivités locales. Femmes et jeunes du Bénin, travailleurs salariés et travailleurs du secteur libéral, acteurs de la production, acteurs des transformations sociales, chers amis membres de la diaspora, mes chers congressistes, une aube nouvelle se lève pour notre pays. Nous avons un nouveau rendez-vous avec l'histoire. La possibilité nous est offerte de forger l'instrument de la transformation sociale que nous cherchons depuis des années. Cet instrument s'appelle l'Union progressiste. Je vous demande d'être les premiers acteurs de cette aventure féconde. Chaque fois que le doute vous habitera
Ou chaque fois que vous aurez des hésitations, mettez-vous à chanter l'hymne Le Progressiste. Il est grand temps, vaillant peuple du Bénin. Il est temps, militant progressiste. Il est temps de repartir, puis de rebâtir, fort de nos combats, fiers de nos héros. Soyons, mes amis, déterminés. Je vous remercie.